Mike fait l'intro. C'est que tu conduis comme un chest workout. Ouais, c'est ça. Cool guys, quand on est avec Jake aujourd'hui, on va faire un chest workout, un peu de triceps, un exercice de shoulder. Ouais. Comme on voit, c'est des faiblesses, donc on va les travailler. Donc aujourd'hui, le principe d'entraînement, ce qu'on va faire pour le choix des exercices, le premier exercice, ça va être d'activer les muscles. Fait qu'on, dans le fond, on va choisir un exercice que la tension va être quand même assez grande dans la partie courte du mouvement. Fait que le pec, on sait que ça fait rotation interne puis l'adduction humérale. Fait qu'on va avoir un exercice qui va être la tension là. On va choisir le cable crossover. Après ça, on va aller stimuler le système nerveux. Donc, on va faire une isométrique fonctionnelle. Et ça, ce que ça va faire, c'est que ça va potentialiser le recrutement des fibres rapides puis potentialiser le système nerveux pour l'exercice d'après qui va être le recrutement. Recruter le plus de fibres musculaires possible avec le incline bench press et après ça on va aller fatiguer ces fibres là pour aller chercher plus de stress métabolique puis maximiser l'hypertrophie. Fait que ça va être ça, les étapes, fait que activer, stimuler, recruter puis fatiguer. Ce qu'on va faire, ça va être 6 répétitions avec 8 secondes contre les pins, ok? Et dans le fond, tu veux, au début tu es comme à 50% puis plus ça va, plus tu vas pousser fort dans ces secondes, puis le dernier est vraiment à l'autre. On va juste faire une série. Avec les isométriques comme ça, ça a été prouvé de... Ça accentue le potentiel post-tétanique. C'est dans le fond que de faire une isométrique maximale comme ça, ça stimule le système nerveux et récupère plus d'effets musculaires. Quand on va arriver sur notre bench incliné là, ça va stimuler plus de fibres musculaires, plus de fibres rapides, puis celles qui ont le plus de potentiel d'hypertrophie. Fait que c'est super bon dans une phase un petit peu plus neurale. C'est quand tu fais quelque chose de métabolique, tu ne veux pas nécessairement aller spiker ton système nerveux. Tandis que là, on va faire un peu hypertrophie slash hypertrophie fonctionnelle, un petit peu neurale au début. C'est bon de mettre une série comme ça au début. Fait que ça, tu peux faire 6 reps avec 6 secondes ou 8 secondes, dépendant. Puis tu choisis le moment dans le mouvement parce que la tension est plus grande au niveau des pecs, fait qu'au niveau, niveau du incline, c'est vraiment à 90 degrés. Tu pousses contre les pins, tu commences, exemple, à 10%, puis là, tu augmentes à 100%. Fait que c'est pas tu rentres dedans à pleine vitesse, tu commences tranquillement, puis tu accélères, puis tu essaies d'accélérer la tension que tu y mets. Fait que là, on va faire le bench avec des bandes ici. Fait que là, dans le fond, on va regarder qu'est-ce que la personne est capable de faire activement. Okay? Fait que là, juste lever tes bras. Fait que dans le fond, si on veut travailler plus les pecs, on va travailler le coude un petit peu plus sorti. Okay? Ce qui arrive souvent, le monde va dire que c'est dur ses épaules parce qu'ils ne sont pas capables de segmenter le coude de l'épaule. Donc, ce qui arrive, c'est quand ils lèvent le coude, l'épaule lève aussi, fait que le lat désengage. C'est important, si tu veux sortir tes coudes, que tu abaisses, tu contractes ton lat quand même, et là, le coude peut lever un petit peu. Okay? De cette façon-là, il y a plus de recrutement de pecs. Ce qu'on va regarder, c'est. Fais juste baisser le plus bas possible. Colle tes avant-plates. Mais tu sais, Mike, il y a une amplitude qui est active de même. C'est sûr que si je pousse dessus, il est capable de se rendre plus bas. Ce qui va arriver, c'est que ça va juste être une tension qui va être passive. Surtout pour lui, ça va se mettre dans ses deltes et ses triceps. Okay? Donc pour l'impact, là, si je demande de contracter, il est capable d'avoir une bonne tension qui est capable de générer dans le bas du mouvement. Fait que pour lui, on va arrêter à ce moment-là. Ce qui est important de faire quand tu utilises des bandes renversées ou des bandes normales, c'est de comprendre pourquoi tu le fais. Donc, par exemple, le bench, on sait que de là à là, c'est dur, puis à la fin, c'est un petit peu plus facile. Le lock-out est tout le temps plus facile. Donc, ce qu'on veut faire, c'est enlever juste un petit peu à la fin, mais surcharger le top pour que ça soit constant d'en bas jusqu'en haut, puis qu'il n'y ait pas de moment où la tension est moins grande. Okay? Donc là, ce qui arrive, c'est que la bande élastique en haut, là, il n'y a quasiment pas de tension dessus. Donc, c'est ça que tu veux. Si on utilise une bande plus grosse, quand on va arriver en haut, il va encore. Fait que ce qui va arriver, c'est que si tu mets une bande élastique plus gros, c'est qu'en haut, tu vas encore enlever de la tension. Et moi, ce que je veux, c'est qu'en bas, exemple, on a une plate 25, en bas, on a une plate 10, puis en haut, on a une plate 25. Juste pour que ça accommode ce que tu es capable de créer comme force. Oui, explose. Come on, explose. Come on. Le but, ça c'est pas pire c'est la dernière série, mais le but avec les exercices principaux, ça c'est d'avoir une rep dans le tank à peu près. Fait que pour juste aller stimuler les fibres, pas trop fatiguer. Dernier set, c'est pas grave, mais
idéalement, il aurait fallu que j'arrête une rep avant. T'sais. Quand tu fais des bandes élastiques, c'est que ça change le nombre de reps que tu es capable de faire avec une charge parce que ça change le profil de résistance. Fait que faut vraiment que tu aies du max la première semaine, puis après ça, tu progresses, mais toujours en gardant une rep dans le tank. Là, cet exercice-là, ce qu'on veut, là, c'est de surcharger un petit peu la partie tirée et d'aller fatiguer les fibres. Fait que là, dans le fond, le premier exercice, on va avoir maximiser la tension dans la partie contractée. Deuxième, c'est pas mal tout. Puis là, on va fatiguer, on va aller recruter plus dans la partie tirée. Fait que là, dans le fond, bon, t'es cool. Ce que je veux, là, c'est que mon 90 degrés par rapport au câble, il arrive pas mal dans le bas du mouvement. Fait que ça, c'est bon. Fait que le banc, là, je peux l'avancer ou le reculer dépendant de ce que je veux. Puis à la fin, le corps se rapproche du coude. Fait que la tension, il y en a quand même une, mais elle est beaucoup moins grande qu'en bas. OK? Fait que c'est ça que je veux. Donc on va faire une série de 12. Après ça, on va utiliser une nouvelle affaire que j'ai achetée. Ça sert pas à grand chose à part faire les drop sets comme on va faire. Mais dans le fond, c'est qu'on n'aura pas besoin de se lever puis de descendre le stack. Ça va tomber tout seul. Quand on va aller tenir le stack en bas. Fait que c'est performance spin. Le site c'est performancespin.com. C'est quand même assez dispendieux pour qu'est-ce que c'est, mais si vous avez des clients et tout, ça peut être intéressant. Alright, donc là on va tomber sur tricep, on a un seul exercice qu'on va faire. Donc on va choisir un exercice qui est plus, qui est moins taxant sur le système nerveux parce qu'on a fait le bench, les isométriques qui fonctionnaient, qui sont plus taxants sur le système nerveux. Donc on va y aller avec le câble. Aussi, le câble, ce que ça fait à cause de la friction, il y a moins de surcharge en excentrique, fait qu'il va y avoir moins de dommages musculaires. Fait que là, on veut plus métabolique au niveau du stress d'entraînement. Fait que, aussi, on va se pencher comme ça, on va garder le coude de chaque côté pour que la tension soit maximale de là jusqu'en bas complètement. Donc, si tu as un exercice à choisir, tu veux que le profil de résistance, la courbe de force, soit dans le fond que il y a de la tension dans la partie tirée, dans le milieu, puis qu'elle relâche un petit peu à la fin en contraction. Parce que dans le fond, il y a le profil de résistance ou la courbe de force, c'est la même chose. Et il y a le profil de force. Le profil de force, en fait, c'est qu'est-ce que ton muscle, lui, est capable de créer. Normalement, pas tous les muscles, mais normalement, c'est en partie tirée, c'est moyen. Quand tu vas dans le milieu du mouvement du muscle, en fait, c'est beaucoup, puis à la fin, ça baisse vraiment beaucoup. Okay? Tes capacités de produire de la force dans une partie contractée est beaucoup moins grande que d'une partie tirée et encore moins grande qu'une partie dans le milieu. Okay? C'est pour ça que ça fait une courbe de même, puis ça fait ça comme ça. Fait que je veux choisir un exercice qui va faire ça comme ça aussi pour si j'ai un exercice qui correspond complètement au le profil de force avec le profil de résistance. Alright, on va finir avec du deltoïde médial. On fait une variante de muscle round de Scott Stevenson. Et dans le fond, on va faire 8 reps de la gauche, 8 reps de la droite, pas de pause, 6 reps de la gauche, 6 reps de la droite, pas de pause, 4 reps, 4 reps. Et dans le fond, on va faire 3 séries comme ça. Fait qu'encore là, on a fait le neural au début du workout. Fait que là, on veut faire plus de la pompe à la fin du workout, plus de volume. Fait que bonne technique pour ça. Alright, fin du workout, donc comme vous avez vu, il n'y a pas beaucoup d'exercices, ça a pris 45-50 minutes. Fait que si tu choisis les bons exercices et tu te donnes à 100% quand tu fais ton workout, t'as pas besoin de faire plus que ça. Comme Mike, tu sais, souvent le monde pense qu'il s'entraîne 2 heures par jour, qu'il fait juste ça, s'entraîner de sa vie, mais tu sais, les programmations, c'est 4 fois 45-50 minutes, surtout que tu sais, il voyage souvent, il est tout le temps parti d'un bord puis de l'autre. Fait que c'est ça, tu sais, c'est de se donner à 100% quand t'es là au gym. C'est surtout la récupération de l'alimentation et le mode de vie qui entoure ça. T'as beau t'entraîner 2 heures dans le gym, si t'es pas capable de récupérer de ça, tu dors mal et ton alimentation n'est pas à 100%, c'est pas mieux. Donc vraiment la qualité avant la quantité au niveau des entraînements. Fait que Mike, le mot de la fin? That's it guys, la qualité over la quantité. C'est bon.